Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. On est 21h43 et on est 18 mai. Dans cette vidéo-là, je vais parler des ondes électromagnétiques, un danger pour l'homme et même pour l'environnement. C'est déjà, les ondes électromagnétiques peuvent causer des troubles sur la santé des humains et aussi dérégler, pardon, la faune et la flore. Donc, les risques pour l'homme entre 20 et 50 Hz sont, vous êtes prêts, sont les condivisions. Entre 20 et 50 déjà, les condivisions. Après, attachez-vous. 100 mégas, ouais, supérieur à 100 mégas, l'énergie absorbée par les tissus biologiques de l'homme augmente la température de tout le corps et ça s'appelle l'hyperthermique. En fait, c'est les cellules et tout ça qui chauffent dû aux ondes électromagnétiques. Au début, le corps c'est pas tout exposé, c'est bon, mais dès qu'on les trouve, il y a des brûlures, des plaques, des blessures intérieures. Pour les plus sensibles, le reste est plus fort. Des douleurs musculaires, de la fatigue, des pertes de mémoire, des maux de tête, des maladies. Pour la grossesse, pour les enfants qui vont naître, ils vont avoir un mauvais développement de cétanorrhée et aussi de l'hyperthermique. On va commencer par le 4.4. Accrochez-vous, on va parler de la liste TST. La liste TST, il y a des fortes ondes électromagnétiques. Il y a eu une étude en 2009, des recherches par la santé publique, qui ont dit que ces ondes sont un danger pour l'homme, les animaux et l'environnement autour. Dans les communes, on a interdit de construire à 300 mètres de la ligne. Mais des animaux sont toujours au-dessus des lignes. Ils ont plus de maladies que des animaux auprès des lignes. Des animaux, pardon, plus loin des lignes. Il y a aussi une vidéo sur YouTube qui circule des ondes anti-THT avec des néons en pleine nuit. Ont réussi à allumer un néon. Je vous conseille à les voir, ils ont réussi à allumer un néon. Dû aux électromagnétiques. Les risques pour l'humain, c'est des maux de tête, des troubles de sommeil, et pour les enfants, leucémie et la Wi-Fi. Les ondes électromagnétiques émises par la Wi-Fi et d'une fréquence de 200. 2440 MW à 5000 MW. 5000 MW, plus fort qu'un micro. Ces fréquences peuvent provoquer l'agitation des molécules. En fait, les molécules chauffent, mais je précise que le corps humain de l'homme, pour les hommes, les adultes, pardon, est de 505% et l'enfant de 504%. Il y a plus d'eau au cerveau. Donc, les molécules dans le cerveau, ils chauffent d'eau, il fait chauffer en mettant le cerveau, ce qui peut provoquer, en quelque sorte, ce quotidien, des maux de tête, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, des troubles de sommeil et des fatigues chroniques. Des conséquences à long terme, une baisse de la fertilité musculaire, c'est-à-dire plus de fatigue musculaire, ou attention des risques de développement d'un cancer. Perturbation générique et dérégler les hormones et perturbation du système immunitaire. Chez les enfants, il y a des troubles de sommeil, aussi des TDAH, TDAH, troubles de attention et hyperactivité. Et ça fait partie un peu de l'autisme des bancos.
qui frappe de plus en plus d'enfants et même des adultes. Comment se protéger? Alors, débranchez vos wifi quand vous ne le savez pas. Déconnectez les wifi avant de se coucher. Ne placez pas les box dans vos chambres et remplacez par les téléphones fixes sans fil par des DECT. Les faux à micro-ondes, on la parle un peu, la Wi-Fi, est de 400, 2450 MW. Nous voyons, quand on ouvre le micro, l'eau évapore. Non, ça se passe pareil dans le cerveau. Passons au téléphone, au plus cas. Alors, on parle des derniers risques. Les risques pour la santé, c'est le glycémie. C'est un type de cancer du cerveau particulièrement agressif. Ils sont doublés chez les utilisateurs attentifs de téléphone. C'est un cancer qui se déclare très rapidement, en fait. Et que aussi c'est difficile à opérer. Mais l'État, je dirais, il a parlé de l'enjeu et tout ça, mais il a eu des recherches pour les enfants. Ils ont des difficultés de concentration et d'apprentissage et de même et retenir en mémoire. Il a plus les mêmes impacts aussi en des risques de cancer et tout ça, de troubles de sommeil, en fait c'est un peu pareil, que les gens, d'apprentissage, de concentration et seront nocifs. Et aussi les plafonds téléphoniques et sont très nocifs aussi et très dangereux autour d'une maison. Les risques sont troubles de sommeil, risque de plus de cancer, rayonnement d'hormones, etc. Pareil qu'à la Wi-Fi. Donc, comment se protéger de tout? Pensez à éteindre les Wi-Fi. Mettez un truc léger, un caillou, un truc comme ça, anti-ondes. Là, et aussi, mettez pas vos téléphones sur vos corps. C'est un risque plus de cancer, ça, c'est un peu doublé. Bon, là, je vais vous montrer une vidéo. Voilà. Ah. Je vais faire une vidéo d'à peine de 30 secondes. Ensuite, un tout petit résumé. Et après, la photo. Voici la vidéo. Écoutez bien. Eh bien, c'est tout simplement les champs électriques et magnétiques qui sont perturbés. L'onde est capable de parcourir l'air, les solides ou même le vide en perturbant ces deux champs. Et c'est grâce à ça que nos différentes technologies sans fil fonctionnent. En effet, elles émettent et captent ces perturbations grâce au mouvement des électrons dans des antennes. Le va-et-vient d'un électron engendre une onde électrique. L'électromagnétique. Donc, résumé, ça passe partout, dans même le corps humain. Et aussi, je voulais vous dire, le danger pour eux qui travaillent auprès, ou soit pour réparer les antennes enroulées, un risque cardiaque plus élevé que les autres. Et aussi, si vous mettez une boussole au-dessus ou auprès, le champ magnétique va dérégler la boussole, en fait. Elle peut évader le nord, évader l'ouest ou le sud, dû au champ magnétique. Donc, je vais faire une photo maintenant sur ça, sur un enfant, pardon, qui dort la nuit, mais tout restait allumé. Wi-Fi, téléphone, Gotowiki, la 3G, la 4G, bientôt la 5G. Voilà la photo. Vous voyez l'enfant au milieu. À côté qu'il y a la Wi-Fi.
Locuteur Lucky, un ordinateur resté allumé ou en veille, ou un téléphone portable resté allumé. Et vous voyez l'enfant qui a le cerveau rouge, dû aux ondes, qui le cerveau fait chauffe. Ça se passe comme ça aussi pour les adultes. Donc, le risque, j'ai déjà parlé, je répète encore, le risque est des troubles de sommeil, des cancers plus facilement, un défaut du système immunitaire, dérèglement des hormones. C'est pour ça qu'il faut mieux éteindre tout le soir. Ou quand vous ne savez pas, vous éteignez, vous coupez. Donc aussi la cage 5G qui sera fort. Pour ça, il faut refuser. Ou le quota wiki. Donc on a déjà des symptômes chez certaines personnes. Des troubles de sommeil, des maux de tête. Donc, les gens qui n'ont pas encore, vous pouvez encore refuser. Voilà. On va faire le tour. Oui, ça c'est bon. Voilà. Alors, aussi, je voulais vous dire, je fais ces vidéos-là, c'est pour vous avertir. Vous mettre au courant que l'État ne veut pas dire. Si l'État dit, il n'a pas de danger. Sur les ondes électromagnétiques. Il y a un danger. Mais il va y avoir, vous inquiétez pas, il va y avoir des push rules. C'est les trolls. Les trolls sont payés par eux pour mettre des push rouges. Donc, il faut contrer, il faut mettre un pouce bleu. Et aussi, s'il vous plaît, partagez la vidéo, que le maximum de gens soient au courant du danger des ondes électromagnétiques. Je vous souhaite une bonne journée et un beau week-end. Thank you.